tiens mon bébé, tu as trop de succès, les gars t'adorent, mets un peu de vin, de l'eau dans ton vin. Ça c'est mon bébé chouchou. Ouais, en tout cas la vieille, la question est des questions. Hein. Bon, Pélis, c'est pour Maman Goro, s'il vous plaît. Ok, je laisse le micro au prochain. Ouais. Et baisse ton oreille. Pourquoi Arafat, on dit toi que t'es un poli. Faut nous expliquer ça aujourd'hui. C'est ça qui a baisé mon oreille. Bon, le Yoruba a un poli lorsqu'une personne qui est plus âgée que moi ou qui est moins âgée que moi, qui ne respecte pas le fait que je sois un artiste et en public me parle mal ou bien me dit, ouais, il était vu grandir, il était vu quand tu as commencé, oh, pays ferait bien ici. Non, ça c'est pas un signe de respect. Donc c'est pour cela que je me fais respecter, sinon je suis pas un poli. Merci. Oh, mais posez-moi une vraie question, ouais. Tout le monde sait que tu es le créateur des roues casse-casse. Voilà. Maintenant, tes roues casse-casse, quand tu fais là, c'est trop successif. Faut faire une... Tu fais un concept. Si t'en pollues, tu essaies un peu de mettre le concept en valeur. Et puis tu te calmes, tu fais le truc. Et puis tu fais l'autre concept encore. Les roues casse-casse, on n'est pas les stars. Bon, mon frère, il te connaît pas, mais tu as dit les roues casse-casse. Quand il a dit roues casse-casse, toi t'as dit on est fatigué. Entre lui, il dit on est fan de ça. Bon, je t'explique. Mesdames et messieurs, le problème est que c'est quoi? Quand on a fait un morceau, quand il n'est pas roues casse-casse, les gens parlent. Non, ça vaut rien. Non, c'est comme ci. Non, c'est comme ça. Yoruba ne peut pas écouter la bouche des gens pour travailler. Sinon, si chacun me dit comment le son doit être là, c'est qu'il n'aura jamais de son. Donc du coup, c'est moi qui ai envoyé Roukaskas. Aujourd'hui, Yoruba ne fait plus de Roukaskas. Yoruba fait un truc maintenant qu'on appelle les Atalakou désordonnés. C'est-à-dire que Roukaskas là, il est fait ça, il est fatigué. Moi, je suis fatigué de ça. C'est pourquoi j'étais assez à l'Alizé, et à mon cuit, DJ jouait sa musique. Et puis je me suis inspiré d'une danse que j'appelle ça Bambolo. Et j'ai fini le son aujourd'hui. Moi-même, j'ai chicoté le son. Tu n'as pas dansé, tu m'as posé ta question, tu réponds. Et puis bon, tu te poses, tu as regardé comment danser ça. Donc sinon, Roukaskas, pas Roukaskas, c'est la gang-gang. Merci. Moi, je veux savoir pourquoi Arafat, tu dis celle de nous est PD. Je veux savoir pourquoi Arafat dit celle de nous est PD. Vous voulez savoir pourquoi il a dit 16 Benoît PD? Donc il y a où? Maintenant, il y a vous répondre. Je n'ai jamais baisé parce que je ne suis pas un PD. Mais son ancien producteur, ou je ne sais pas si c'est son producteur, David Monceau a essayé de me baiser. Et je suis sur ma carrière musicale parce que quand tu es assis dans une voiture avec un homme, lorsqu'il te touche le sexe en te disant oh ça doit être gros ou c'est petit, c'est que ce monsieur a de sérieux problèmes. Donc, lorsqu'on m'a dit qu'il est devenu le producteur de Serge Beno, juste parce que j'ai refusé de sortir avec David Monceau, il allait prendre Serge Beno pour me remplacer. Il allait prendre Serge Beno pour le mettre à un niveau pour détruire Yoruba. Parce qu'il a refusé qu'on me baise. Donc, je vous explique, hein, c'est simple. Je n'ai jamais vu Serge Beno en train de baiser avec David Monceau. Je n'ai jamais entendu leur conversation, quoi que ce soit. Mais pour quelqu'un qui a essayé de me baiser, qui est le producteur d'un artiste ivoirien, donc moi je me dis que, automatiquement, vu qu'ils sont en train d'essayer de casser Yoruba pour monter Beno, donc du coup, je me suis mis dans une gamme, et je suis dans ma gamme.
Mais Beno, personnellement, j'ai pas de problème avec lui. C'est pas un PD, ce n'est pas un efféminé. On se respecte, on rigole, il fait sa musique, il mousse aujourd'hui. Et je suis très content qu'on parle de Serge Beno aujourd'hui parce qu'il est le digne représentant de la Côte d'Ivoire comme le capitaine qu'on appelle le Yorobo. Donc c'est la famille. Maintenant, ceux qui disent que Ahmed Bakayoko m'a baisé, Ahmed Bakayoko, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Ahmed Bakayoko, c'est un dirigeant d'un pays, et lui et moi, c'est fils et papa. Celui qui veut penser qu'il me baisse, c'est son problème. Celui qui veut penser que c'est le vieux père de Yorobo, c'est son problème. Ahmed Bakayoko, c'est mon père spirituel, parce que souvent, quand ici, là, il y a des problèmes de 60 millions, 40 millions, il est là, il me donne, il décaisse et il est prêt pour moi. Donc c'est pourquoi je dis que c'est mon père spirituel. Donc c'est tout ce qui me réunit avec Ahmed Bakayoko, c'est mon père spirituel. Il subvient à mes besoins, il est prêt pour moi et il est toujours prêt pour moi. Quand je suis constipé, quand il m'a chié, ça blesse mon anus, ça n'y a pas de bien. D'ailleurs, ce que caca me fait, c'est pas pin gamini John de mon anus. Donc ciao ciao les pinards. Merci. Maman, tu as une question à poser? Tu la poses rapidement parce qu'on doit... Hein? J'ai plus rien à dire. Avec mon fils, je te connais très bien. T'es super. Là, c'est tout bien. Arrête! Tu peux tout à côté de moi. T'as une grosse pine. Tu sais où ça va? Tu mousses mal même. Il mousse bata bata. Hein? Je connais. Hein? Ah! Je vais répondre à sa question. Bon, Arafat DJ, pour les filles... Emma Loès, on connaît. Non, on n'a pas de problème avec Emma Loès. Emma Loès vit sa vie aujourd'hui, on ne parle pas d'elle ici. Hein? On n'a pas besoin de parler d'elle. Mais tu as demandé si elle a une grosse pine. Le Yorobo n'a pas une grosse pine. Le Yorobo n'a pas une petite pine. Si tu veux savoir quelle est la forme de sa pine, viens-en. Don't throw.